صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم شرف كبير لي ان استضيف بفقرة كتاب كاتبة وصحفية اليوم من اشهر واهم الصحفيات بفرنسا، وكمان عم بتعيش تقلبات السياسة الفرنسية. بحب رحب باستديوهات الام تي في بالسيدة Audrey Pulvar, vous êtes la bienvenue. Merci. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous fait d'être interviewée autant, vous qui d'habitude interviewez beaucoup de personnalités. Mais écoutez, ça fait bizarre de passer de l'autre côté. Je me rends compte que ce n'est pas facile d'être interviewée finalement, d'être à la place de la personne interviewée. Exactement, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Voilà, tout à fait. Je ne sais pas à quelle sauce vous allez me manger. Non, surtout pas. On va juste partager des idées parce que vous êtes une personne très intéressante. Merci. C'est votre première visite au Liban. Tout à fait. Ça se passe bien depuis 24 heures. Très bien accueilli. Une bonne ambiance hier dans une boîte de nuit où je me suis rendue. C'est Beyrouth donc, by night. Voilà, pour l'instant, j'ai l'impression que je suis dans le tempo là. Ça va, c'est très bien. Mais on espère quand même que vous allez revenir. Mais moi y a aussi. Beaucoup de choses. Mais bien sûr. Bien sûr. Je vais visiter Byblos cet après-midi. C'est vraiment une ville historique et une très belle ville du Liban. Mais je reviendrai, j'espère. Bien sûr. Et j'espère qu'au Liban, vous aurez beaucoup à faire. Si vous avez envie aussi d'interviewer des gens, je peux vous assurer. Bonne idée. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous aurez plein de sujets. Je vais envoyer mon CV à MTV. Là, ah oui, je vais pousser. Vous allez m'aider quand même. Oui, bien sûr. Je vais donc vous présenter au public libanais. Audrey Pulvar, من مواليد فورت دو فرانس. جزيرة المارتينيك سنة 1972 وانتقلت للعيش إلى باريس سنة كان عمرها 14 سنة وحائزة على إجازة بالعلوم الاقتصادية وتابعت دروسها كمان بالـ ESJ بباريس واشتغلت تقريبا إلى 10 سنين بعدد كبير من التلفزيونات الفرنسية والعالمية منها ATV أولا بالمارتينيك سنة 1998 وسنة 2004 أيضا أصدرت أول كتاب إلى لونفون بوا Donc c'est le seul livre que vous avez fait, on va en parler un peu. وسنة 2002 اشتغلت بإذاعتين تلفزيونية LCI و TV5 وسنة 2003 بدأت بفرانس 3 كمذيعة أخبار وقدمت عدد كبير حتى من البرامج السياسية والاجتماعية وأيضا كمان برامج مسلية وسنة 2004 دخلت سوار 3 وما بين 2005 و2011 عملت بفرانس 3 وإي تيلي وأخيرا بفرانس انتر. ce n'est pas couché أكيد des برنامج مشهور كثير وهي كانت المعدة وال donc très rapidement sur votre carrière. J'ai compris. Vous êtes donc l'une des présentatrices phares du service public en France. Vous avez débuté votre carrière en 2002 à LCI. Enfin, j'ai commencé en 1994, mais je suis chez vous à la Martinique. C'est ça. Mais je suis revenue à Paris parce que j'avais fait mes études à Paris. J'avais vécu à Paris pendant un certain temps. Je suis revenue effectivement en 2002. Très bien. Donc vous avez travaillé à LCI, TV5, France 3. Vous avez reçu le trophée de femme en or, catégorie média en 2008, oui, bravo. Et en 2009, vous intégrez iTélé. Et en 2010, vous devenez animatrice sur France Inter. Et en 2011, vous devenez chroniqueuse de l'émission phare de France 2, Ce n'est pas couché, qui est animée par Laurent Ruquier, qui apparemment est très regardée au Liban, bien d'après sûr. Ce que j'ai compris. C'est pour cela que j'en parle beaucoup. Je voudrais d'abord vous... Racontez-nous un peu votre carrière, et, puisque vous avez fait beaucoup de choses en peu de temps, et où vous vous êtes retrouvée le plus, sur quelle chaîne et dans quelle émission?
Écoutez, moi j'ai vu, je crois que j'en suis à 10 ou 11 rédactions en 18 ans. Alors il y a des moments où je travaillais pour plusieurs médias à la fois. J'ai toujours eu du plaisir à travailler dans toutes les rédactions que j'ai connues. J'ai connu des toutes petites rédactions, de très grandes rédactions avec beaucoup de moyens. C'est toujours le même métier, hein. On est journaliste, que l'on soit dans une toute petite rédaction, dans une très grande, que l'on soit à Paris ou à Beyrouth, quand on est journaliste, on l'est de la même façon partout. Après, c'est juste une question de moyens. Bon, après, il y a des traditions de pays en pays. Et j'ai été bien partout. J'ai quand même une grande affection pour la rédaction de France 3, parce que ça a été un moment important dans ma vie, ça a été des gens que j'ai beaucoup aimés, et voilà, qui sait si un jour je ne retravaillerai pas avec eux. On espère, bien sûr. Vous êtes aujourd'hui au centre de l'actualité, Non, parce que un vous êtes, oui, parce des que éléments de maintenant, l'actualité. oui, exactement, vous êtes prié de quitter malheureusement France Inter et privé d'interviews politiques sur France 2 suite à l'élection de votre compagnon. Enfin, sa nomination au poste de ministre du redressement politique. Exactement, et suite à l'élection de De François François Hollande. Hollande, Donc, pourquoi et quel effet ça vous fait? Écoutez, c'est pas agréable. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on considère que je pourrais être manipulée par lui. Donc, bon, il faut savoir qu'on n'est pas couché. J'ai une position d'éditorialiste, hein. Je suis pas intervieweuse comme dans un journal télévisé, par exemple, où on doit être totalement neutre. On n'est pas couché. J'ai une position d'éditorialiste qui donne un avis, qui a un parti pris. Effectivement, qu'on considère que je pourrais être influencée par mon compagnon. Alors évidemment, je ne suis pas d'accord, puisque je sais que je peux réfléchir par Bien moi-même. sûr. Mais bon, c'est comme ça. J'essaie de trouver une autre solution. J'espère que ce sera le cas. Oui, parce Et que c'est sinon, pas j'aimerais évident. travailler avec vous, carrément. Ah, bien sûr, ça me fera grand plaisir Vous ferez et des chroniques? honneur, oui, bien sûr. On travaillera en collaboration. Mais c'est dommage qu'une carrière doit périr à cause d'une autre qui doit Bien commencer. sûr, bien sûr. Hein, et femme-homme aussi, hein, ça se joue parfois, c'est comme ça. Le J'espère. contraire n'est pas toujours Non, pour l'instant, on n'a pas beaucoup bon. vu le contraire, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'un homme arrête sa carrière à Pour cause de la sa femme femme. qu'il aime. J'espère qu'on pourra chacun mener sa carrière de son côté comme on l'a toujours Bien fait jusqu'à sûr. maintenant. Et puis, vous savez, le journalisme, il n'y a pas que le journalisme politique, il y a des tas Exactement. d'aspects de la Exactement. Et vous profession. en Et avez fait plein. donc voilà, j'en ai éprouvé certains. Donc bon, je continue de penser que je peux trouver un espace Non. qui me permette de faire mon métier sans Exactement. pour autant prêter le flanc à la critique. Exactement. Je vais traduire très brièvement les deux réponses. حضرتك عملت بعدد كبير من التلفزيونات وبفرنسا وبرامجها كانت سياسية اجتماعية وكمان مسلية وسألت وين حبت أكثر شيء حبت فرانس 3 لأنه كانت تحب العمل اللي عم تشتغله كانت تعد برامج بتحبها وحابة إنها ترجع واليوم ما عم بيحكوا كثير عنها بفرنسا لأنه صديقة اللي أكيد بتحبه وعايشة معه نزل كوزير مع فرانسوا أولاند بفرنسا ولأنه عم بي ممكن إنه تتاخد باتجاه سياسي معين وقفوا لبرامجها السياسية بفرنسا عم بسألها قد ايه هالشي أكيد ازعجها كتير وهي ما بتلاقي إنه معهم حق لأنه فيها تفكر فيها ما بتكون تكون موضوعية وأكيد ليه للرجال اللي بيوقفوا مهنتهم وخاصة إذا كانوا ناجحين بحياتهم المهنية كرمال النساء اللي بحبون ولكن العكس عم نشوفه كتير لسوء الحظ. Vous êtes ici au Liban, donc invité par l'ambassade de France et l'Institut français au Liban, en partenariat avec SKIES, Samir Kartir Eyes, et dans le cadre d'une conférence intitulée Divertissement et émissions politiques, un mariage est difficile. Bon,
D'abord, puisque vous avez animé beaucoup d'émissions politiques mm-hmm. et autres, quels sont les secrets pour mener une bonne interview politique? Travailler. Il faut avoir bien préparé son interview. Ça veut dire qu'il faut être très documenté sur les sujets qui seront abordés. Il faut avoir une bonne mémoire pour se souvenir des propos tenus par l'invité politique qu'on a en face de soi, par le passé, le mettre peut-être en face de ses contradictions. Et il faut être vif d'esprit. Mais on ne peut être vif que quand on a bien préparé son interview, quand on sait exactement de quoi il s'agit, mais on peut réagir très rapidement à une inexactitude ou une imprécision ou une contradiction de l'invité. Exactement. Ça, c'est un show la nourrie mazoum min ibal al safari al farsiye wa markaz al thaqafa al farsiye bi Lebanon wa skies وسألت شو هن أسرار انترفيو أو مقابلة ناجحة سياسية أكيد قالت لأنه واحد يكون محضر كتير يكون عارف عن شو عم بيحكي تيقدر ياخد ويعطي يقدر يعطي رأيه أيضا ويكون أكيد هيك سريع يعني ويقدر يجاوب أو يعارض إذا لازم يعارض. Comment parler aussi vous avez traité hier dans votre conférence le fait le problème comment parler de la politique dans des émissions à grand public, même des émissions de divertissement. Comment on peut le faire? On voit que ça se passe de plus en plus, surtout pour moi j'appelle ça c'est la soft politique ou la politique à la douce pour que ça arrive à la masse. C'est-à-dire qu'il faut se méfier effectivement que dans l'émission de divertissement, on ne donne pas finalement une image trop sympathique du politique ou de la politique qui est là et qui finalement apparaît sous un jour très favorable. On n'est là ni pour démolir les hommes et les femmes politiques, ni pour les glorifier. Donc il faut arriver à trouver la bonne mesure. Et c'est vrai que parfois, dans certaines émissions de divertissement, on se dit, c'est très bien pour l'homme ou la femme politique qui est interviewée parce qu'il montre une image très sympathique, mais on n'est pas vraiment allé au fond des choses, puisqu'un journaliste est d'abord là pour mettre les choses en perspective et demander des comptes, entre guillemets, à la personne. Être à la place du peuple. Ouais. Voilà. Je crois que c'est dans On n'est pas couché, on ne peut pas nous faire ce procès-là quand même. D'abord parce que l'invité politique, il vient, il est interviewé, il repart, il ne reste pas tout au long de l'émission, donc il n'est pas dans des situations où il peut être soit ridiculisé, soit sa parole dévalorisée par une situation qui n'est pas une situation noble pour lui, enfin noble n'est pas le mot, mais digne, je dirais. Et puis, les interviews que nous avons menées étaient quand même des interviews sans concession et qui allaient, je crois, on essayait en tout cas d'aller au fond des choses et d'être très, très précis, très, très objectif. J'espère que nous avons réussi toutes les deux, en tout cas, Natacha, je n'ai aucun doute à ce sujet. Oui, bien sûr. القصر السفارة الفرنسية قالت أنه أهم شيء إذا نحكى أو عملت مقابلة مع سياسي ببرنامج اجتماعي مسلي أهم شيء أنه واحد ما لازم يعطي صورة غير حقيقية عن السياسي صورة أهضم أو صورة أبسط لازم تطلع صورته كسياسة وأكيد هون الصحافة عم بتقول لازم يلعب دور الشعب ويقدر كمان يطالب بإشياء يمكن هو مقصر فيها وعم بتقول أنه ما لازم يبقى كتير وكل الحلقة تيضل أكيد قيمته موجودة وكلمته مسموعة. Comment avez-vous vécu personnellement vos moments de gloire?
Je sais pas à la si télé, j'en ai eu, non, bien sûr que vous en avez eu. Et aussi vos déceptions, parce qu'il y en a eu aussi. Et comment réagissez-vous aux insultes? Parce que quand on est plus on est connu, bien sûr, plus on est critiqué. Et surtout, par exemple, comme le publicitaire Jacques Séguéla, qui avait dit des propos pas très gentils. Qu'on ne peut pas répéter. Qu'on ne peut pas répéter, pas très gentils du tout. Oui. Comment avez-vous réagi et comment vivez-vous vos moments de gloire ou vos moments de déception? Alors, je ne sais pas si on peut parler de gloire. Il y a des moments où, effectivement, où on est un peu plus dans l'actualité pour des raisons positives. Et bon, c'est jamais désagréable. Hein. Sinon, on ne ferait pas ce métier-là. On se resterait caché. Moi, vous savez, j'ai appris très tôt à relativiser. Parce que je vous parlais tout à l'heure de mes années entre 1994 et 2002 où je travaillais en Martinique. J'ai commencé à travailler en 1993 en presse écrite à Paris, puis je suis rentrée en 1994 en Martinique. Et assez vite, hein, au bout d'un an et demi, j'ai commencé à faire de l'antenne, à présenter des flashs, des émissions, puis des journaux, puis de plus en plus. Et donc, j'ai commencé à être connue, j'ai commencé à rencontrer des gens, me reconnaissaient dans la rue, etc. Et puis, j'étais assez populaire, j'avais beaucoup de succès, et puis j'étais enceinte. Et je me suis absentée de l'antenne pendant quelques mois, ça a été un petit peu plus long que prévu. Et là, vous savez, il n'y a pas eu un courrier pour réclamer mon retour. Ouais. Donc, ça vous fait relativiser. C'est-à-dire bien vous vous dites, ah ben oui, mais pourtant les gens m'aimaient bien, ouais. Mais bon, je ne suis plus là et c'est pas grave, la vie continue. Bien donc, il faut rester très humble, il faut rester très modeste par rapport à tout ça. Un jour, on est dans la lumière et c'est très positif et ça dure le temps que ça dure. Un jour, on est dans la lumière pour des raisons négatives aussi, ça bien c'est sûr. Beaucoup moins agréable. Il faut arriver à prendre de la distance avec ça. Moi, ce que je me dis, ce que je dis souvent, c'est que, entre guillemets, ce n'est que de la télé. C'est pas la vraie vie. Ouais. Même si on essaie d'être le plus naturel possible à la télévision, même si dans un métier d'information, dans un questionnement journalistique, on est dans le réel, ça reste quand même une représentation de ce réel et de la réalité. Ouais. Il faut garder dans sa vraie vie, en dehors des plateaux, une fois que la lumière est éteinte. Ce que vous dites est très vrai et très important. Voilà, des centres d'intérêt bien à soi. Il faut fréquenter des gens qui sont en dehors du milieu de la télé pour être vraiment dans la vie réelle et ça permet de supporter les périodes difficiles. Ah oui, c'est ce que vous dites est très vrai. En fait, kif tamal bi hayata akid an najih wa awqat an najih wa kif yem tani kaman btatamal kaman wa taykun anda khaybat amal wa khassatan anno tuntaqad kteer lanna najha mitl kull insan biwsal w binjah fa qalat anno ahma shi wahed ya'rif anno hayda عم بيأدي مهنة تلفزيون منا واقع ولازم كمان يعيش الناس منن بذات الحقل تقدر كمان يعني واحد يعرف يحط حد بين حياته المهنية وحياته الشخصية وعطيت كمان مثال وقتها راحت ولدت ورجعت ما قدرت يعني ما حدا سأل عنها حست على انه يعني لازم واحد ما يضله متواضع وضله ياخذ الامور مش كثير بجديه تيتماشى مع المواضيع. Comment trouvez-vous être journaliste et médiatisé, ça ressemble, et surtout dans le monde politique, ça ressemble beaucoup à être un personnage politique. Donc comment ça ressemble beaucoup et c'est une responsabilité encore plus grande parce que vous devez donc parler de tout le monde, pas seulement de soi. Et comment une femme peut-elle s'imposer dans un monde au XXIe siècle masculin et moi je dis internationalement, bien sûr dans le Moyen-Orient surtout, mais dans le monde aussi, on en parlait hier. Et donc, comment une femme peut-elle s'imposer et ne pas être féminine, parce que c'est très important. On est d'abord une femme. Il faut rester soi-même, bien sûr. De toute façon, il faut rester soi-même.
La seule façon, c'est de travailler, c'est de faire ses preuves, d'être le plus irréprochable possible. Il faut avoir du caractère, ne pas se laisser démonter effectivement par les critiques, mais comme c'est un monde, y compris en France, effectivement très masculin, le monde des médias, où encore aujourd'hui, les patrons de rédaction, les patrons d'organes de presse, journaux, radio, télé, tout ça sont souvent des hommes, les comités de direction c'est souvent très masculin. C'est vrai que quand une femme, et je suis absolument pas la seule, on est beaucoup hein, dans ce cas-là, quand une femme avance, s'affirme, refuse d'être catégorisée, bon, elle entend, elle a droit à des réflexions pas toujours agréables, merci. Et puis bon, elle passe très vite pour une hystérique, pour une caractérielle, alors que quand c'est un homme qui s'affirme, on trouve ça normal. Oui, ouais, c'est très bon, vrai. Bon, bah, écoutez, il faut continuer, continuer. Mais moi, j'ai pas l'impression d'être un garçon manqué. Non, enfin, pas je reste, je crois qu'il faut rester soi-même. Bien et, voilà, en tout cas, une femme est, montrer qu'on est indépendante, qu'on est au travail, qu'on en veut. On a le droit d'être ambitieuse, bien on a sûr. Le droit d'être une femme et d'avoir de l'ambition. Bien sûr. Et je crois que la femme a beaucoup à donner. Bien sûr. Si elle a les chances. Mmh. Et en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui nous servent d'exemple. Mais j'ai pu constater dans mes rencontres là, depuis hier à Beyrouth qu'il y a beaucoup de femmes dans les médias libanais. Et j'espère qu'elles accèdent aux postes à responsabilité. On espère aussi. En tout cas, celles que j'ai rencontrées, elles avaient l'air au combat. Bien, bien fort. عبت أقول إنه عم بقول عم بسألها إنه قد ايه اليوم المرأة بعالم الإعلام قدرت تحقق حالها وشو لازم تعمل لأنه أكيد هذا عالم ذكوري يعني إن كان بالشرق أو حتى بالغرب قالت لازم يكون واحد هو نفسه ويحقق حاله ويكون عنده طموحات وأكيد قلت لها أهم شيء إنه واحد تضل امرأة وتعطي اللي لازم تعطيه وأهم شيء إنه يكون عندها الفرص أكيد وقالت لأنه كل النساء اللي عرفت عليهم بحق للصحافة والإعلام لقيتهم بلبنان عندهم شخصيتهم وتتمنى أنه يوصلوا على أكيد أماكن مهمة. Le lendemain de la rentrée officielle de notre cher écrivain franco-libanais Amin Maalouf à l'Académie française, c'est une grande fierté et quel beau discours. On a de l'autre côté, malheureusement, Nadine Morano, donc femme politique et membre de l'UMP et qui est candidate aux élections législatives. Elle déclare « J'ai pas envie que ça devienne le Liban chez moi ». Et vraiment, nous, en tant que Libanais, ça nous dérange pas autant que ça nous déçoit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, journaliste française? Je me garderai de faire des commentaires sur la vie politique française, mais tous les Libanais que j'ai rencontrés depuis hier ont été très choqués par cette phrase et ils me demandent qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je ne suis pas dans la tête de Nadine Morano, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire par là, je ne pense pas que c'était positif. Non, pas du tout. Écoutez, je ne sais pas, il faudra lui poser la question. Il faudra que les médias libanais, je pense, ont des correspondants à Paris. Il faudra que les médias libanais aillent l'interviewer, lui posent la question, lui demandent ce qu'elle a voulu dire par là. Je pense que de toute façon, il faut se méfier de tout type de stigmatisation, quelle que soit la personne qui est touchée par cette stigmatisation. Vous avez raison. En tout cas, Audrey Pulvar, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous fait grand plaisir de vous avoir ici et à très bien à Beyrouth, j'espère. Comment on dit merci à... Choukran. Choukran, bien sûr. Je connais Saïdati et Choukran. Voilà. Merci beaucoup. مشاهدينا الكرام تخلص حلقة كتاب ونبقى هلا في إعادة لإكريه ديستار مع الجزء الثاني من مع أمين المعلوف بكرة الأحد الساعة 5 بعد الظهر. هلا نبقى مع كاتيا للكتاب.